Hi tout le monde, c'est Mélanie là. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc, je vais lire le chapitre 2 de Ma réputation. Ma valise à roulettes fait autant de bruit que les voitures qui passent sous le pont en même temps que moi. Tous les 15 jours, je traverse le périn qui sépare l'appart de mon frère de celui de ma mère. J'avais 12 ans quand ils ont divorcé après 2 bonnes années d'engueulade. Je me suis dit, cool, je vais avoir un portable, 2 chambres et 2 Noëls. En fait, c'est moins drôle que ça. J'ai déjà du bol qu'ils soient tous les deux restés dans le coin. Ma mère ne risquait pas de bouger. Elle est prof d'allemand depuis 20 ans dans le seul lycée privé de notre petite banlieue et ne compte pas lâcher son poste pour un établissement difficile dans une ville inconnue. Mon père, ça a été de justesse. Il a bien failli se barrer à Berlin pour retrouver ses racines. Mais il a toujours détesté la vie là-bas. Ça fait tellement longtemps qu'il vit en France qu'il a préféré se prendre un petit appart dans le 19e arrondissement pour garder ses amis, ses petites habitudes. Et ça pue plus, parce que je sais bien qu'il est resté pour moi. Je me demande si j'aurais choisi de le suivre s'il était parti. J'avoue que je suis contente de ne pas avoir à me poser trop sérieusement la question. Le truc qui craint dans tout ça, c'est qu'il ne puisse plus s'adresser la parole. Ils ont essayé au début quand l'un des deux venait me chercher chez l'autre. Mais ça tournait au match de coach en 2 minutes. Dès qu'ils m'ont jugé assez grande pour passer la porte au chemin à pied, on a décidé qu'il n'était plus nécessaire qu'ils se voient. Depuis, je vis dans deux mondes hermétiquement clos où je n'ai qu'un parent à la fois et où on ne prononce jamais le nom de l'absent. Encadré dans l'entrée, il y a cette photo de mon père en maillot de bain qui me porte sur ses épaules. J'ai 3 ans et on forme tous les deux une image du bonheur. Ça m'agace un peu cette façon de me rappeler comme on s'aimait à cette époque. Salut Pupus, salut Pops. Je me suis mise à l'appeler Pops quand j'ai commencé à trouver une Pupus devenir ridicule, que Pupus devenir ridicule. Mais je crois que ça l'a incité à plutôt continuer. Pupus, je me demande quand il réalisera que j'ai grandi. Il faudra vraiment que je lui en parle parce que il sera capable de me le sortir le jour de mon mariage. Félicitations, Pupus. Lasagne, ça te va? Top. Pops, c'est le roi du surgelé. Ça m'arrange. Ma mère est à fond dans le trip bio, du genre quinoa, concombre, bouilli et steak de soja, saveur poulet fermier. Mais avec mes réserves de greffes en négatif, j'ai besoin de me nourrir un minimum si je veux tenir jusqu'au bac. On s'est à peu près tous dit, alors je me plante devant la télé. Je zappe une pub à l'autre, me gavant d'images débiles interdites dans mon autre vie, jusqu'à ce que les yeux de Sofiane reviennent s'interposer entre l'écran et moi. Je coupe mon portable. J'ai besoin de penser à tout ça sans être dérangée par les garçons. Je sais qu'il faudra que je trouve une solution pour régler cette histoire sans faire de vagues. En y réfléchissant, ça fait déjà quelques mois que Sofiane est un peu bizarre, discret. C'est vrai qu'en passant en seconde, ça a été le grand changement. Nouveau prof, nouveau mur, et ces 2 mois d'été nous avait un peu éloignés, quand on s'est retrouvés, on s'est senti un peu obligé de jouer au grand. Surtout que Jimmy, le nouveau de la bande, nous impressionnait. Sofiane était le seul à ne pas tomber dans la même classe. Ça sépare un peu. De là à me douter que quelque chose de ce genre aurait pu surgir de sa tête. Je lui en veux quand même parce que maintenant qu'il a voulu m'embrasser, qu'est-ce qui me reste comme choix? Me laisser faire ou pas? Et je me prends la tête comme si c'était moi à moi de m'expliquer. Mais je n'ai rien demandé avec moi. Comme par hasard, en zappant, je ne tombe que sur des images de baisers torrides et de couples enlacés. C'est vrai que les mecs sous cet angle, ils me font peur. Pourtant, j'y pense souvent, et il y en a même que je trouve canon. Mais c'est ceux-là qui me font le plus peur. Être planqué parmi eux, je croyais que ça me protégerait d'eux, qu'ils me protégeraient des autres mecs. Je ne serais plus du côté du gibier. Tu viens manger? J'emboîte le pas de mon père vers la cuisine. On ne peut pas dire qu'il allait. Oh, excusez-moi. J'emboîte le pas de mon père vers la cuisine. On ne peut pas dire qu'il ait l'air ravi que je sois là. Ces dernières semaines, j'ai parfois l'impression de perturber son petit train de vie. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait une partie de l'appât crétin tous les deux, par exemple. Je peux prendre ma tablette ce soir? Oui, j'ai du boulot, mais tu m'appelles si tu me débloques le niveau 61. Je lui fais un clin d'œil en tenue. En tant que défenseuse de la planète, maman m'interdit tout ce qui fait que la vie vaille encore la peine d'être vécue à mon âge. Je n'ai eu le droit à mon premier portable que le jour de mes 15 ans. Attention, une antiquité qui ne sert qu'à téléphoner,
avec un forfait bloqué et pas d'accès à Internet, à cause des ondes, soi-disant que c'est dangereux pour mon cerveau. Chez elle, l'unique ordinateur est soigneusement surveillé. Elle reste dans la pièce chronomètre en main tant que je suis devant l'écran et le contrôle parental bloque l'accès au moindre site qui pourrait m'être utile pour faire mes devoirs. Pop s'est quand même un peu plus branché. Normal, vu qu'il tient un blog de commentaires sportifs sur le baseball, qui est suivi dans pas mal de pays. Ça lui rapporte un petit salaire grâce à la pub et aux piges que des journaux étrangers lui achètent. Même s'il n'a jamais réussi à m'intéresser à ce sport, je suis super admirative qu'il arrive à vivre de sa passion. En attendant, chez lui, j'ai le droit d'utiliser les ordi quand il n'est pas au-dessus et je n'ai pas de compte à lui rendre. Pourtant, ce soir, je décide de ne pas trop la jouer. Vautrée sur mon lit, je repense à cette soirée du Nouvel An. En étant honnête avec moi-même, je sais que c'est sûrement là que Sofiane a commencé à s'imaginer des choses. Ça fait déjà plus de 3 mois. Après le feu d'artifice, on est allé dormir chez une tante de Théo qui lui avait prêté les clés d'un studio vide près de la tour Eiffel. Théo et Jimmy s'étaient endormis sur le canapé devant la console vers 5h du mat. En tant que fille, j'avais eu le droit à la chambre de Tata absente. Assis sur le lit, on avait continué à tchatcher encore un bon moment, Sofiane et moi. On s'était endormis sans même s'en apercevoir et on s'était réveillés pile en même temps. Une première fois vers midi, une deuxième à 14h. Là, on avait reparlé super longtemps jusqu'à ce que les deux autres émergent et qu'il soit l'heure de rentrer chez nous. C'est vrai que j'ai senti mon corps tout près du mien. Que j'ai senti son corps tout près du mien. Que j'ai entendu son souffle dans son sommeil. Mais Sofiane, je ne peux pas l'imaginer autrement que comme un copain. Ça me gêne de le penser, mais c'est qu'il est trop normal. Parmi les trois, c'est Jimmy le beau gosse. Il est plus vieux, mais aussi il fait homme. Il fait très homme. J'étais plutôt contente que les gens fantasment sur ma relation avec lui, pas avec Sofiane. Je me rejoue la scène de l'explication du lendemain. « Écoute Sofiane, tu t'es emballée. Je sais que tu regrettes. N'en parlons plus. » Ça, c'est la version optimiste. « Je t'aime bien, mais pas plus que les autres. » « Fais pas cette tête, c'est pas contre toi, je ne t'en veux pas, mais je n'ai jamais pensé à toi comme ça, et c'est vrai. » Et voilà, donc on se retrouve après dans une prochaine vidéo pour le chapitre 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye tout le monde.